Je m'appelle Uzabakiriho Elad. Je suis Rwandais. Je travaille pour la Caritas Rwanda dans un projet d'appui à la sécurité alimentaire, projet qui œuvre dans un des 30 districts du pays qui s'appelle Bugesera. Cette formation m'aidera à introduire des changements là où je travaille. Parce qu'au cours de la formation, nous avons appris plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Nous avons appris comment planifier, nous avons appris comment faire le suivi et l'évaluation d'une façon participative afin d'arriver à l'impact. Donc, pour moi, j'ai vu que dans ce cours, le premier secret pour arriver à l'impact, c'est l'esprit d'être critique. Il faut travailler avec tout le monde, il faut demander des avis, il faut faire participer tous les acteurs, surtout les bénéficiaires, parce que pour arriver à l'impact, justement, les bénéficiaires sont les plus grands acteurs souvent que nous négligeons. Donc, je vais essayer de faire participer les bénéficiaires d'une façon plus par rapport à ce que nous le faisions, parce que j'ai pu remarquer que vraiment, je croyais que je les faisais participer, mais dans ce cours, j'ai vu que je le faisais partiellement. Avant d'aller sur le terrain, je vais d'abord voir mes collègues avec qui nous travaillons. Je vais leur expliquer comment la formation a été faite. Je vais leur expliquer les nouveaux concepts qu'on a appris. Et puis avec mes collègues, nous allons justement planifier comment nous allons descendre sur le terrain pour appliquer ces techniques et ces méthodes que nous avons apprises dans ce cours. Donc, d'une façon brève, nous avons essayé d'être participatifs, plus participatifs que nous le faisions avant. La leçon la plus importante, c'est justement la théorie du changement. Nous avons vu que pour arriver vraiment à l'impact, il faut être critique dans tout ce que nous faisons. À tout moment, il faut se demander est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, pourquoi. Il faut intégrer tous les acteurs, leur amener à ce qu'ils puissent amener leur contribution, leur rôle, clarifier ce qu'ils vont faire. Donc, il faut être participatif dans tout ce que nous faisons. Ceux qui sont en train de considérer leur participation l'année prochaine, je les encourage à venir parce que ce cours est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux concepts, il y a beaucoup de théories qui sont vraiment adaptées à l'apprentissage. Et puis, il faut toujours apprendre. Il ne faut pas penser qu'apprendre, c'est fini. Il faut toujours apprendre, il faut partager les expériences, il faut être critique, il faut toujours se demander que faire pour faire l'amélioration. Donc, je les encourage vraiment à venir à participer à ce cours parce que c'est un cours vraiment très intéressant.